Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Brian de Mokozos, let's go! Dix des meilleurs looks de la semaine de la haute couture printemps-été 2022. Une grande partie de l'industrie de la mode a subi des perturbations tout au long de la pandémie. La haute couture n'a pas été en reste. Pour le printemps-été 2022, les couturiers se sont décoiffés et ont présenté des pièces sensationnelles débordant de créativité et de savoir-faire. De l'exploitation intégrante de l'espace de Schaeffer-Lee aux constructions audacieuses de Dior, la semaine de la couture nous en a mis plein les yeux. Comme son nom l'indique, la Fashion Week haute couture fait appel à la plus haute forme d'artisanat de la mode. Avec les défilés Spring-Summer Couture, les maisons de haute couture ont une fois de plus mis tout en œuvre avec des confections qui donnent naissance à des visions d'exploitation colorées, d'extravagance éthérée et enrobée. En fait, certains se dirigent directement vers l'espace extra-atmosphérique. C'est exactement ce qu'a fait Daniel Roseberry, directeur de la maison haute couture française Schaeffer-Lee, pour sa dernière collection printemps-été 2022. Cette création d'un autre monde aura amené le cosmos pour que les gens puissent en faire l'expérience à travers la mode. Une touche de silhouette effrontée des années 50. Complet avec des systèmes solaires dorés et des halos byzantins, son cas d'extravagance est exactement ce que nous attendons de la Fashion Week de Paris. Rihanna enceinte, ses plus beaux looks de grossesse. Une fille ou un garçon, nous ne le savons pas encore, mais l'engouement autour de la grossesse de la star barbadienne fait absolument l'unanimité. Après 9 ans d'amitié mêlée à une belle histoire d'amour, Rihanna et ASAP Rocky sont enfin prêts à sauter le pas de la parentalité. Depuis l'annonce officielle de la grossesse sur les réseaux sociaux en début du mois de février, Rihanna n'a pas cessé de nous servir des nouveaux looks épiques axés principalement sur du vintage. Jean Luz, doudoune, veste en fourrure, crop top, on a l'impression que la garde-robe de la chanteuse a été prédéfinie et conçue avec minutie. Découvrons ensemble l'évolution mode grossesse de Robin Rihanna Fenty. Black History Month. Cette reine guerrière africaine à connaître absolument. Héroïque, fascinante, mais surtout africaine, elle devrait toutes être citée dans les livres d'histoire. L'humanité a vu s'élever des femmes leaders qui ont joué des rôles importants dans l'histoire du continent africain. Ces combats ont été particulièrement menés durant l'ère coloniale. La bataille pour l'émancipation ne date donc pas d'hier. Elles ont lutté pendant des décennies pour se faire une place d'égal à égal dans une société dominée par les hommes. Aujourd'hui, nous évoluons dans une société qui laisse tomber certaines barrières, ce qui donne la voie aux femmes d'accéder concrètement à de hautes sphères. Cette évolution a donc une origine. Le mois de l'histoire des Noirs est pour nous une belle occasion de mettre le doigt sur les rôles héroïques des femmes africaines dans l'histoire. On vous fait découvrir cette reine guerrière africaines qui ont changé le cours de l'histoire. Sud de l'Éthiopie. La reine Godi était une reine guerrière redoutée à son époque et à juste titre car on lui attribue la destruction du puissant royaume d'Aksum. Angola. La reine Zinga a commencé comme une princesse guerrière, gagnant des batailles contre les Portugais. Elle est devenue reine après la mort de son père. Ashanti. Ya Asantewa, reine mère de Adeso, tribu Ashanti a dirigé une armée de milliers de personnes contre les forces coloniales britanniques. Nigeria. Amina était une grande guerrière Hausa qui devint plus tard la reine de Zaria au Nigeria. Elle a étendu les frontières Hausa plus larges que jamais. Kush. Lorsque Rome a attaqué et occupé l'Égypte, la reine Kushite Amanerena n'a pas attendu que Rome attaque Kush, mais est entré en Égypte avec 30 000 soldats et a détruit l'armée romaine. Le royaume d'Assoum ou Assoum, empire assoumite, était une nation commerçante dans la région du nord de l'Éthiopie et de l'Érythrée qui a existé d'environ 100 à 940 de notre ère. Dahomey.
Les guerrières du Dahomey étaient un régime militaire entièrement féminin du royaume du Dahomey dans l'actuelle République du Bénin. Les Dora Meladia dans Black Panther sont basés sur les Dahomey. Afrique du Sud. La reine Nandi était une mère résiliente et l'espoir contre les pressions sociales. Elle était la mère du Shaka Zulu, l'un des plus grands rois du royaume Zulu. Selon les historiens, pendant la règne de son fils, elle avait une influence considérable sur les affaires du royaume. Enfin, conseil pour les cheveux. Top 10 des coiffures super top pour les hommes. Les hommes noirs sont l'une des créatures les plus mignonnes à marcher sur la face de la terre. Qu'on soit sur des coiffures longues ou courtes, on livre toujours dos à dos. Oui, une grande attention est généralement accordée aux femmes en matière de beauté et de coiffure, mais les hommes sont juste derrière. Il existe 1 001 000 coiffures polyvalentes pour hommes et d'autres sont créées chaque jour. Qu'il s'agisse d'être à notre meilleur lors de réunions d'affaires ou d'une fête, en tant qu'homme, nous devons choisir un style avec lequel nous sommes à l'aise. Bien sûr, une fois que nous avons décidé du style, demandons à notre styliste combien d'entretiens quotidiens il nécessitera. N'oublions pas que chaque chevelure est différente et peut nécessiter des types de soins uniques pour nous assurer d'être à notre meilleur. Aussi étrange que cela puisse paraître, les hommes prennent soin de leur apparence la plupart du temps encore plus que les femmes. Voici quelques-unes des 10 meilleures coiffures à essayer en tant que mec. C'est tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Brian de Romain Cosos. À la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine.